Je ne veux pas faire le champion, vous savez, le meilleur ouvrier de France, je m'en fous de ça. Je fais de la gravure, quelquefois, ça, pour m'amuser, j'ai fait des choses un peu fines. Et puis, alors, j'ai des trouvailles, par exemple, dans celle-là, celle que vous voyez de loin, on pourrait la regarder de près, qui est partie d'une aquarelle ancienne qu'on m'avait prêtée. Et là, je fais le contraire pour avoir une ligne très fine noire. C'est pas un relief, surtout que c'est fait avec du médium. Le relief, c'est pas un relief, c'est un creux. Enfin, ce qui va faire le noir fin, c'est un creux. Et pour faire ça, il faut trouver une astuce. Vous voyez, si je veux faire ça, par exemple, si je veux faire un trait noir à la place du noir, hein, et bien vous savez comment je fais, je fous du noir partout. Je mets du noir partout avec mon rouleau. Hein? Mm-hmm. Et puis, avec une gouge très fine, je fais une petite incision fine comme un cheveu dans le noir. Et je dessine des choses comme ça, des branches très fines. Je creuse dans le noir. Et après, si je repasse du blanc par-dessus, qu'est-ce qui se passe? Le blanc couvre le noir, il va griser un petit peu, mais le trait noir va apparaître très fin comme un cheveu. Donc c'est de la fausse gravure sur bois, si vous voulez. C'est de la gravure sur bois, mais à l'inverse. D'accord. À l'inverse. Puisque c'est le creux qui va faire le relief, si j'ose dire, vous voyez. Mais ça, j'ai trouvé ça tout seul, hein, mais comme ça, par hasard. Mais on peut utiliser toutes les astuces. Hein.